autre titre de l'actualité, une chaîne humaine pour la reconquête de la mer. Une semaine après la manifestation à Roche-Noire, un nouvel événement, interdit cette fois par la mairie d'Étang-Salé, a bien eu lieu sur la plage. Le pique-nique géant a rassemblé plus de 200 personnes. Un pique-nique géant organisé sur la plage de l'Étang-Salé. Aujourd'hui, à la mi-journée, un peu plus de 200 personnes se sont rassemblées. L'événement avait été créé sur Internet, mais le maire a décidé de l'interdire car aucune demande n'avait été faite auprès des autorités. Une semaine après la mobilisation sur la plage des Roches-Noires, les manifestants se sont tout de même réunis. Ils réclament des solutions rapides pour la réouverture des sites de baignade. Guillaume Perrault. Main dans la main, ils s'avancent vers la mer. Mais aujourd'hui, ils n'iront pas plus loin que les pieds dans l'eau. C'est pas une manifestation, c'est pour sensibiliser à la population, à l'urgence de trouver des solutions pour qu'on puisse tous se baigner. Tous ces gens-là, il va y avoir l'été qui arrive, la chaleur, les vacances. On fait quoi tous nos enfants qui sont désœuvrés toute la journée avec la chaleur? Les îles comme Maurice, Seychelles, ils arrivent à se baigner, pourquoi pas nous? L'événement créé sur les réseaux sociaux est pourtant interdit par le maire de l'Étang-Salé. Mais peut-on interdire un pique-nique? Et qu'on a un patrimoine magnifique, patrimoine de l'UNESCO, et qu'on nous en prive. Vous voyez, j'ai même les tremolos dans la voix tellement ça m'énerve. Si le Réunionnais ouvre pas ses yeux, ben il reste à nous mettre à nous dans des HLM, et nous-mêmes nous serons en prison chez nous, nous va tuer nous. Exaspéré du manque de solutions envisagées, William affirme que les filets de Roche-Noire pourraient être une solution pérenne s'ils sont installés intelligemment. Mettre des filets, mais pas dans le sable, surtout ça, parce que le sable il se déplace en dune quand il n'y aura pas trop de houle, quand il y a un mètre ou quoi. Au moins le filet serait pas en dessous du niveau de la mer, parce que le problème il vient de là lui. Grand absent du rassemblement, Jean-François Nativelle, l'organisateur de la dernière mobilisation. Cette semaine, il a été mis en examen pour avoir maintenu la manifestation de dimanche dernier aux Roche-Noire, pourtant interdite par la municipalité Saint-Pauloise. Les manifestants ayant bravé l'interdiction de se mettre à l'eau, il est aussi placé sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui. Je ne l'avais jamais considéré comme un grand bandit, donc là aussi je suis très surprise de tout ça. Quand l'État rejette devant les stations balnéaires des prédateurs de plus de 300 kilos marqués ça, en nous disant « vous pouvez aller à l'eau à vos risques et périls », excusez-moi, qui a un problème? Qui devrait se retrouver devant la justice? Les gendarmes sont présents mais se font discrets. Les seuls à pouvoir profiter de la mer sont en jet ski, ce qui crée un sentiment d'injustice partagé par les quelques 200 parents et enfants réunis ce midi. Et pour sa dernière journée de visite à La Réunion, Jean-Luc Mélenchon a réagi au sujet de ses rassemblements contre l'avis de l'État et sur la gestion du risque requin. Je vous propose d'entendre ses propos, ils sont recueillis par Maïlie Sérissi. C'est un problème si compliqué que je n'y risquerai pas le doigt, hein. Alors après, oui, c'est vrai que le tempérament des Réunionnais est rebelle, et tant mieux, hein, parce que, bon, ils se bougent, ils s'activent. Alors après, sur l'affaire des requins, il ne faut pas non plus exagérer. J'ai vu des expressions quand même, c'est un peu beaucoup, hein, on a l'impression qu'on cantonnerait la population. Non, écoutez, il faut prendre les choses de manière un peu plus décontractée. Qu'est-ce qu'on cherche? Une solution, non? Bon. Alors, la solution, on est maintenant au 21e siècle, on sait que les êtres humains ont fait tellement de bêtises qu'on a tout déréglé. C'est pas normal qu'il y ait des requins le long des côtes. Ça, c'est le point numéro un. Hein. Donc, comment on peut faire pour qu'ils repartent? C'est ça, le sujet. Et on va pas se disputer entre nous de savoir lequel a le droit d'aller se faire bouffer le premier, quoi. Tout ça est absurde.